Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'occuper de la voiture sans permis. J'ai le moteur qui est mort dessus. Je vais pas filmer intégralement. Je vais filmer juste les étapes, c'est tout. Parce que j'ai pas le temps de faire les vidéos là, de filmer. J'ai plus de moyen de locomotion parce qu'en face, il y a la DT mais elle est toujours pas faite, la 89 elle est en hivernage donc je roule pas avec. Donc voilà, donc là je vais déjà je vais m'occuper de finir ce que j'avais attaqué sur le nouveau moteur, c'est-à-dire j'ai enlevé tout ce que je n'ai pas besoin, parce qu'il y a des trucs que moi je ne vais pas utiliser, parce que c'est pas tout à fait... En fait c'est le même moteur mais il n'était pas monté sur la même voiture, donc il y a des trucs qui diffèrent. Comme les supports moteurs, le système de recharge, moi je suis en alternateur, là-dessus c'était les bobines de charge, donc un espèce de stator. Du coup, ça je le dégage, je repasse en alternateur, c'est ce qu'il y a de plus fiable. Et après, il faut que je vide l'huile qu'il y a dans l'autre moteur, dans celui que j'ai récupéré, que je démonte le carter, que je nettoie le carter et que je nettoie la crépine. Il faut que je vide le gasoil qui reste dans mon moteur, dans ma voiture parce qu'il est contaminé par de l'huile. Et après bah, j'enlève le moteur et je reposerai le nouveau moteur. Donc je vais vous faire je vais vous filmer des morceaux par moment comme fait Gotha 11 et l'artisterie. Ça sera plus simple parce que j'ai pas le temps de filmer la caméra. Je peux filmer que 2 heures avec et j'en ai pour plus de 2 heures, donc je vais pas avoir le temps à chaque fois que la carte mémoire elle est pleine d'aller jusqu'à mon PC avec la caméra pour vider la carte mémoire, parce que j'ai pas d'autres cartes mémoire actuellement, et celle-là c'est une 32 Go, et vu que je filme en 1080p 24 images secondes, du coup bah ça prend un peu de place quoi. Voilà, bon bah écoutez, on se reprend dès que j'ai commencé à démonter. Donc ça y est, moteur démonté. Du coup j'ai passé énormément de temps hein, pour vous donner un aperçu, il fait nuit actuellement. Je me dépêche parce que j'ai mis le panneau à LED à fond pour avoir de l'éclairage. Donc le moteur il est enlevé, il est là-bas, l'ancien, le nouveau je l'ai décalé, donc voilà, donc prochain coup, je vais voir peut-être pour filmer en reposant le moteur, je dis peut-être, vu que le problème c'est que il commence à faire nuit à partir de 17 h pour m'éclairer, je suis obligé de foutre le groupe électrogène qui est là-bas, et sur la vidéo ça va être très désagréable. J'ai pas d'électricité dans le garage, donc on verra bien ce que je pourrais faire, mais ça sera peut-être pas sûr, quoi. Voilà, voilà. Sur ce, bah, on se dit à demain. Donc jour 2 sur le moteur de la voiture sans permis. Je filme pas beaucoup, parce que j'ai déposé le carter moteur, parce qu'il faut que je nettoie le carter et la crépine. Et au passage, ils fuyaient un petit peu au niveau du bas moteur, et en même temps, c'est un peu normal puisqu'ils n'avaient pas mis de joint. Donc, je pense que ça a dû être ouvert une fois, peut-être pour un nettoyage de crépine, et le mec n'avait pas dû prévoir le joint. Bon, moi, fort heureusement, je l'ai. Ouais, et voilà. Donc, on est toujours au même point qu'hier, hein. C'est toujours pas remonté. Je prends du retard. J'ai pas de jauge à huile, j'ai pas de jauge d'huile pour ce moteur là, parce que la jauge que j'avais sur le moteur qui est là-bas, c'est pas la même. Il est en carter alu et il est plus profond. Et le problème c'est que je peux pas le récupérer, il est pas fixé au même endroit. Enfin, celui-là il est fixé là, donc en dessous du palier de vilebrequin et en dessous de la pompe à huile, tandis que l'autre, on va peut-être pas voir vu que j'ai pas d'éclairage, mais en fait, il arrive à la hauteur du palier, à la moitié du palier. Donc c'est un peu la merde. C'est un peu la merde. Pour vous donner un ordre d'idée, pourquoi je ne filme pas et le temps que je prends dessus, c'est tout ce que j'ai démonté. Ce qu'il y a là, c'est du moteur de mon ancien, c'est ce que je récupère. Ce qu'il y a là-bas, c'est de l'autre moteur que je récupère pas. Enfin, que je remonte pas. Donc voilà. Ça vous donne l'aperçu de tout ce que j'ai démonté. Là-bas, ça a été démonté avant-hier. Là, ça a été démonté hier.
Donc voilà. Donc du coup, bah, dès que je commencerai à remonter ou à démonter tout le reste, eh ben, je vous le dirai. Je filmerai peut-être le remontage des éléments sur le moteur, mais en timelapse. Parce que je vais être obligé de foutre le groupe électrogène en route. Et bah, ça fait du bruit. Malheureusement, j'ai pas le choix. J'ai pas d'électricité, comme j'ai déjà dit dans le garage. Donc j'ai pas trop le choix. Voilà. Sur ce, bah écoutez, on se redit à la on se dit à la prochaine et au prochain clip. Donc soit aujourd'hui, soit demain, ça dépendra du temps que je mettrai parce que là j'ai des trucs à aller chercher pour le moteur. Voilà. Et hop, c'est parti. T'es prêt ? Ouais. Alors, le moteur, faut qu'il passe entre ces deux là. Au milieu ? Ouais. Ok. Entre les deux, hein ? Ouais. Ok. 1, 2, 3. Attends. Tu le tiens ? Ouais. Tiens-le. Oui, je tiens. Je vais mettre les deux de ce côté-là déjà. J'ai pas pris la grosse lampe avec moi, c'est pratique. C'est comme ça qu'il y a ton moteur ? Ouais, ouais. Ok. Alors, attends. C'est ici, droit, c'est il est droit, le problème c'est que je me trouve. C'est bon, je vois pas ici. Ah non, mais tu me le maintiens, faut pas qu'il bascule. Ok. Et là, il est trop haut. Il faut sauver, c'est sûr. Alors, recule-la un petit peu. Attends, parce que là, je vois rien. Putain, ça va être la merde. J'ai une merde, non ? Allez. On part de ce moment. Ah, la blague ! Bah, je crois que j'ai un problème, là. Ouais, puis pas un petit problème. Alors, je fous ce bouton là déjà. Tu peux. Et je crois que le support moteur, il va pas aller là. Mais c'est quoi ce délire ? L'anthrax, il est pas bon ? Non. J'ai un boulon qui tombe pas sur le bloc. Ah ouais. Ah bah c'est bien ça, je fais comment moi ? Bah il n'y a qu'une seule et unique solution. C'est quoi ? Ah bah je vais être obligé de percer dans le bloc. Putain, ça me casse les couilles. C'est là je peux fixer mon support moteur que sur un boulon, de ce côté-là. Ouais. Comment dire, c'est un petit peu risqué quoi. Bizarre, il me semblait que c'était les mêmes. C'est un Fox, putain, pourtant. C'est quoi ce délire là ? Bon, bah écoute, hein. Celui-là, on verra après. Il va falloir que je perce dans le bloc et que je taraude. Putain, il va falloir que j'aille chercher la visseuse. Ah, ça me gonfle. Bon. Viens de l'autre côté. Je vais fixer l'avant. J'espère que l'avant, ça va pas être pareil. J'ai pas trop envie de tout percer non plus, quoi. Non, attends, je vais le lever. Prenez le gros con quand il prend une lampe. Je l'ai pas prise la lampe. Fais chier. C'est le moment que je devais pas mettre. C'est celui-là que je devais mettre. Un truc qui devait être simple, ça va être le bordel. Tu me le maintiens comme il est là, tu bouges plus. D'accord, on recule un peu.
Ah, ramène-le. Là c'est bizarre parce que ça a l'air d'être bon. Penche le vers l'arrière. Comme ça c'est bon? Ouais. Je sais pas trop c'est quoi le délire. Hein. Alors le support moteur c'est pas le bon. J'espère que c'est pour ça. Là, je repasse un peu. On va pouvoir percer un peu. C'est pas tellement la fois que je repère c'est le... support moteur. Ça va être encore pratique ça. Tiens, remets-toi de l'autre côté. Je vais essayer de serrer le... Là, c'était du Allen. Non. Pourquoi j'ai mis cette vis là? Bouge pas. Ça devait être simple. Je pense que le support moteur c'est pas le bon. Putain. Je vais mettre celle du pot. Bascule-le un petit peu vers à moi. Non, un petit sans le pousser par contre. Ah bah non, tu vas pas pouvoir, faut que je le baisse. Pousse un peu vers l'arrière. Bouge-lui. C'est chiant, putain. Je comprends pas pourquoi que ça fait ça. Tu vois, j'ai pas envie de mettre. Bah sinon tant pis, hein, j'ai percé un bloc. Hein. J'ai pas trop le choix, je pense. Je vais mettre la patte arrière. Putain. Ah, ça me fait chier, bordel. Là il va partir en arrière, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Je tiens. Bah tu me le maintiens, on est au moins qu'il se casse pour la gueule, le moteur ça m'arrange. Ça c'est le démarreur. Je le brancherai après lui. Merde. Là j'ai descendu forcément. Aïe. Aïe, oh. Putain. Chier, là. On aurait fait de l'autre truc. J'ai plus de force dans le bras gauche, moi, ça m'énerve. Thank you.
Voilà. Ah, je préfère bosser sur tes bécanes, putain, c'est plus simple. C'est bon. Il faut que je redescende devant. Maintenant, il faut que je l'enlève. C'est quoi qui va pas là? J'ai où ça m'emmerde? Putain. Non. Il faut que je l'enlève. Non, faut que je l'embaisse. Forcément. J'ai la vis arrière qui va me faire chier. Et je crois bien que le raccord de pompe à eau ne va pas être le même. Putain, c'est pas possible. Il n'y a rien qui va se monter comme je veux. C'est censé être le même moteur, c'est ça le pire. Je sais pas où ils ont vu que c'était les mêmes. J'ai pas pris la boîte en plus. Là. Peut-être ça le problème, en marque. Est-ce que la boîte elle est prise? Oui. Ah putain. Bouge pas. Attends, pousse-toi. Lâche, pousse-toi. Tu peux lâcher ? Ouais, vas-y, lâche pour le moment. Putain, ça va pas se monter comme je veux, ça me gonfle. J'ai le raccord de pompe à eau qui m'emmerde derrière. Oh, la blague. La grosse blague intersidérale. Oh putain, c'est pas vrai. Ah, du tout, non ? Le raccord de pompe, c'est pas du tout le même. Ah. Ah, pose-toi. Vas-y. Mets-toi sur le côté parce que là, tu me gênes. Okay. Oh, c'est pour... Ouais, moi, il part sur le côté. Là, il part vers le bas. Ah, oh, j'y avais pas pensé à ça. Merde. Putain. Puis, j'ai pas de joint pour ça. J'en ai pas commandé. Ah, les raccords, c'est pas les mêmes. Putain, Lombardini Fox comme l'autre, mais la moitié des choses, c'est pas les mêmes trucs. Voilà pourquoi j'arrive pas à le monter. Et où le petit cliquet? C'est pas ça? Ah non, non, ça c'est pas un cliquet, ça. Ah. J'espère que le joint il va pas péter, que je suis pas obligé de me faire chier à décaper. Ah, et sur l'autre, le radiateur était vers le bas. Ah, ouais. Chier. J'ai pas pensé à commander de joint pour ce truc-là. Sur le mien, il était neuf. Pire. De toute façon, je vais quand même assurer, même si j'ai pas de joint, même si j'arrive à démonter le joint sans le péter, je mettrai de la pâte. Voilà, ce qui devait arriver est arrivé.
J'ai pété le joint. Hein. C'est bien que ça arrive. Hein. Quart du joint, il est resté là. Ma cale là. J'ai mis où les petites cales? Ça m'énerve quand c'est censé se passer d'une manière et que ça se passe tout sauf de la bonne manière. J'ai pas de cale, je retrouve pas ma cale et il faut que j'avance là-dessus. Je vais déjà monter la boîte, enfin, la boîte au moteur. Maintenant qu'il n'y a plus ce truc-là pour m'emmerder. Je le tiens pas. Non, mais je sais que tu le tiens pas. Non, je te montre, t'inquiète. Le truc, c'est que je voudrais bien ressortir le boulon, parce qu'il n'est pas du tout au bon endroit, quoi. Putain, ça m'énerve. Support moteur devant, je peux mettre qu'une vis sur deux. Ouais. Putain. Ça par contre je comprends pas. Ou alors ça veut dire que le support moteur que j'ai sur la voiture, c'est pas le support moteur de cette bagnole là. Ah, s'il faut que je rajoute un support moteur, putain ça va être bien. Ça va être super. Hein. Là j'arrive pas à sortir le boulon, ça me gonfle. Ça c'est mes doigts. Le pire c'est qu'il est pas vissé. Je pas glisser, mais j'ai galère pour le soutenir. Oh, putain. Bon. Ah putain. Ah, je viens de faire sortir. Et ben voilà. Et un ongle en moins. Bon. Du coup. Comment dehors? Je ne vois pas trop mal en face là. J'adore quand ça se visse pas. J'ai plus qu'à les glisser. J'ai une chance sur deux d'être en face. Ouais, du coup. Putain, arrête pour tarauder, ça va être pratique encore ça. J'ai tout le cache district qui va m'emmerder. Où je commande le bon support, je sais pas. C'est quoi le mieux? Bah le mieux ça serait que je commande le support moteur, mais bon, ça me saoule quoi. Ouais bah ouais. Ça me saoule parce que c'était pas prévu. Ouais. Comme je t'ai dit, cette bagnole là, elle a été bricolée. Ouais, ça se voit.
Bah de toute façon, oui. Il me fait rigoler quand on a commencé à me dire... Salut. Ça va? C'est qui? La Corse. La Corse. Je suis tout de suite chez... chez un maire. Ça me fait rigoler quand on m'a dit « Ouais, t'as que ça à congé. » Ah, c'est oui. La moitié de la bagnole. De toute façon, j'ai changé la moitié de la voiture à part le train, à part la coque. Ah, tu as eu un prix pour un con. J'adore être pris pour un con. Tu paries combien que je suis pas en face? Eh ben, je suis pas en face. Je suis de mon côté. Merde, d'où la bavarde? Putain, c'est une soupe. Là, non, faut monter. D'accord. C'est pas vrai. Qui me disait que les voitures sans permis c'était facile à faire? Ouais, c'est clair. Mais facile à faire de rien du tout, oui. Voilà, une enquille. On se met là. J'arrive pas à l'enquiller. Putain, ça me casse les murs, moi. C'est une bonne idée, encore j'ai eu de faire ça en vidéo. Putain. Ça a décidé, là. Là, ça a vraiment décidé de m'emmerder, là. Putain! Je me descends complètement. Ça me gonfle. Il n'y a rien qui se monte. Putain, ça me prend la tête là. Comment ça m'emmerde ce truc? Non, la voiture, ça va me prendre la tête. La solution va être trouvée. Là. Je vais appeler Jack Moto, je vais lui dire, bah tiens, venez la chercher, je la dégage. Quand ça me fait chier. L'argent que j'ai investi dans cette merde là, c'est de l'argent que j'aurais pu investir dans le DT. Putain. Ça, décidément, je crois que ça a vraiment défilé là. Ça a décidément emmerdé. Les supports moteurs sont neufs, donc normalement je devrais pas galérer autant que quand j'ai monté le. Quand j'ai remonté l'autre fois. Or le truc c'est que là ça a vraiment décidé de me gonfler. Je tombe pas du tout en face. Ça me prend la tête. Ah non. Putain, j'arrive pas à comprendre. Pour ça qu'à la base je voulais enlever la boîte de la voiture. Le problème c'est que j'ai plus d'arrache rotule, donc je suis dans la merde. Et là c'est quoi ce délire? Il n'y a rien qui tombe en face. C'est quoi ce bordel? Je vais essayer de relever la boîte avec l'autre cric. Comme ça, je vais bien forcer sur mes supports moteurs qui sont déjà fatigués. Ah, apparemment, ça a l'air d'être ça. Mais en même temps... Et puis je peux pas...
Regarde sur l'étagère là-haut. Ouais, c'est vrai. À côté de la boîte Dash, il y a... Ça J'ai dit à côté de la boîte Dash, tu sais lire? Ouais, Dash, ouais, ça. Voilà le tournevis, merci. Tiens. Putain de merde. Puis ce cric, c'est de la merde. Rien à faire. J'arrive pas à choper le filetage. Ah putain. C'est du... Eh non mais c'est du délire hein. Je dois pas être loin en plus, hein. C'est ça le pire. J'essaie de rentrer l'autre. Ah, je crois que je suis pas bon non plus. Ah, ça me saoule, ça me saoule. Puis j'ai oublié les lampes à la maison aussi. Travailler dans un garage où il n'y a pas de courant, j'ai pas de lumière, j'ai rien. Ça va être fort. Là, je devrais pas être trop mal là. Voilà pourquoi j'ai toujours la gueule noire quand je bricole là-dessus. Je suis bientôt obligé de rentrer dans le moteur. J'en ai marre de me faire chier pendant 300 ans. La vie, c'est ça. Un grand mot, les grands remèdes. Tout ça. Je prends la péteuse. Mettre 300 ans pour visser ça. La TV, c'est une jolie. Ah, c'est rentré. Non, je crois pas, moi. Ah bah si. Donc, je leur desserre juste un petit peu. Par contre, celui-là, il est pas du tout en face. Studio, ça a été un peu plus compliqué pour voir. En sachant que j'ai le variateur de boîte qui est juste devant et que je ne l'ai pas enlevé. Ah, je crois qu'il est pris. Le problème, c'est que j'ai un support moteur qui va être fixé par une vis. De toute façon, j'attends la jauge d'huile pour ce moteur-là, donc au pire, je vais regarder s'il n'y a pas le support moteur. Ah, parce qu'on veut t'envoyer la jauge.
Bah ouais, parce que le problème qui se... Bon, c'est vrai que ce cliquet là, j'ai oublié qu'il est sorti dans un coup dans la gueule. Le truc qui se passe, c'est que la jauge de ce moteur là, ouais, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même? Non, parce que celui-là, c'est un carter alu, il est plus profond que le moteur contient un litre. Carter tôle. Celui-là contient 1,5 litre d'huile, celui-là contient 1,2 litre. Ouais. Et la jauge, en fait, elle est plus grande que le carter. Le carter, il dépasse beaucoup plus sur celui-là. Ouais. Mais ça se trouve, ouais, c'est pas le même moteur. Ce moteur-là, de toute façon, j'ai un doute que ça soit un Fox. D'accord, c'est un chier, putain, vache. Ah mais là c'est rien mon gars. Ouais c'est pire. Dernier coup quand j'ai remonté l'autre avec le support plié là. C'est pire. J'ai passé 2h30 à le monter le moteur. Ah ouais.